Bonjour à tout le monde, c'est moi Gilmas, le tonton de tous les enfants. En tout cas, mbote bisika bozali, bisika bozoami na poto, na Afrique, bino tout na pesi bino en tout cas ba mbote. Merci na ba soutien na bino, bino batoza ko soutenir vraiment chronique du net yo na za ko sepela ya trop, na ebite soki n'explique na exe na exprimer et c'est ngwana na marque nini, mais na za ko sepela fort. Comment on appelle moi la moisson, la fille aînée ya Niki Menga, a même appendé ba Congolais Likolo. C'est ça, c'est que moi, en tout cas, la petite celle-là, tu as bien fait. Tu as bien fait, Kena et Poupa, tu as très bien même répliqué, Kena répondre les insolents. Les gens qui ne comprennent pas la vie, il faut les insulter. Les gens qui ont amené le Congo dans leur sac, amener ça en France, il faut les insulter. Il faut vraiment les remettre à leur place. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils sont en Europe. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont en Occident. Les gens ne comprennent rien. Ils sont toujours dans des futilités inutiles, des futilités qui ne font rien, qui ne payent pas. C'est pour cela que on n'évolue pas. Notre communauté n'évolue pas. Maintenant, les enfants qui ont eu de la chance, ils sont nés dans la terre européenne, terre étrangère. Et les enfants évoluent comme les Français. Les enfants évoluent comme les Américains. Mais un petit qui est les petites filles là qui sont venues à l'âge adulte en Europe, c'est elles qui commencent à attaquer la fille française. Ce n'est pas parce que vous êtes de la même communauté que vous êtes les mêmes. Vous n'êtes pas les mêmes. La fille est là et vous n'êtes pas les mêmes. Keina et Poupa et vous là, les petits Congolais venus en Europe à l'âge adulte, vous n'êtes pas les mêmes. Elle ne voit pas la vie comme vous. C'est une fille moderne. Elle n'est pas une fille traditionnelle. Elle est une fille moderne. Elle est française. Elle ne vit pas votre vie congolaise. Elle ne vit pas à la congolaise. Elle peut manger la nourriture congolaise, mais elle n'est pas congolaise. Elle est une française. C'est parce que vous manquez de maturité, vous les Congolais. Vous manquez de la sagesse que la fille là ait le droit de vous répondre. Parce que vous n'êtes pas intelligent. Une fille de 19 ans qui fait ses affaires, où est votre problème? Vous avez des affaires dans vos maisons. Vous avez vos propres affaires dans la maison. Bosala kabangoni. Qu'est-ce que vous faites à vos affaires? C'est les affaires d'autrui que vous allez ouvrir vos bouches, vos sales bouches. La fille là vous a répondu très bien. Moi, si j'étais même la fille là, je pourrais insulter. Augmenter même le volume d'insultes sur sa page. Vous allez faire des interviews, des émissions, parce que la fille veut vendre sa chaussure. Que ce soit les chaussures de la fille là, où est votre problème? Où est votre problème? Telle fille, telle mère, sa maman, elle est une femme commerçante, elle fait des business, elle va ses habits, elle a une ligne de vêtements de mariage, elle habille les mariés en France, tout le monde le sait. La femme a pris l'initiative de sa maman, la femme a appris. Ce que sa maman fait, elle va des choses. Elle aussi, elle entreprend quelque chose pour lui, pour elle, pour gagner de l'argent. Bino bomoni, jalousie, Congolais jaloux. Combien de fois toi, tu es là, tu as des habits dans ton garde-robe, et les habits, tu as beaucoup d'habits, mais tu n'es même pas capable de les revendre. Mais elle a pris l'initiative. Peut-être que ce sont les chaussures qu'elle ne porte plus. Soit elle a acheté quelque chose et veut les revendre à un prix un peu plus élevé. Mais vous ouvrez vos bouches. Mes chers amis congolais, oh, réveillez-vous. Vous vivez en France, vous n'êtes pas en Afrique. Vous êtes dans la nouvelle vie. Vous ne vivez pas la vie antique. Ce sont des papas comme vous, des femmes comme vous. Vous cherchez les hommes qui ont des comportements comme vos papas. Vous cherchez des femmes qui ont des comportements de vos mamans. Vos parents qui ont vécu aux années 50. Ce sont les hommes que vous cherchez, les hommes qui ont le comportement des années 50. Vous cherchez les femmes qui ont la... Vous êtes maudits.
Tu vis en Europe, tu as amené ta valise. Dans la valise, tu as emballé l'Afrique, tu as emballé le Congo. Tu as amené ça ici en Europe. Et puis tu veux parler, tu veux conseiller les affaires d'autrui. Toi, si tu as les affaires, soit si tu n'as pas d'affaires, attends que tu aies des affaires. Et puis, il faut le dire ce que tu veux. Contrôle tes affaires, pas les affaires d'autrui. Ces affaires-là ont appris comment se débrouiller, comment être indépendante. Toi, si tu es dépendant, les restes dans la dépendance. Si tu n'as pas appris à être indépendant, reste comme ça. Mais elle est là, elle évolue. Elle a déjà évolué. Elle va continuer à évoluer. Bande de moutons, de maudits. Je ne vous comprends pas, chers Congolais. On ne se comprend presque pas. Vous allez dire, la fille, elle est majeure, elle peut faire ce qu'elle fait. Mais aujourd'hui, elle est majeure. Vous avez fait, quand elle a ouvert son YouTube, vous avez dit, elle est déjà adulte, elle peut faire ce qu'elle veut. Aujourd'hui, elle va ses chaussures, c'est vous maintenant, vous vous attaquez à elle. Qu'est-ce que vous voulez d'elle? Est-ce qu'elle est votre fille? Elle est votre enfant? Elle vit chez vous? C'est vous qui lui payez de l'argent? Une fille qui veut vivre une vie d'autonomie, elle veut être une fille autonome. Elle ne veut plus dépendre de ses parents. Elle veut vivre comme elle veut. Mais vous, la Congolais, maudit. Regardez entre vous qui avez critiqué la fille là, regardez ce que vous faites. Elle vous dépasse même d'atout. Elle est intelligente, elle va à l'école, elle fait sur YouTube et elle est maintenant une femme entrepreneur. Elle va des choses sur Internet. Vous êtes là en train de critiquer. Des petits maudits. Vous êtes des petits maudits. Ce sont de telles personnes qui vont dire, ah, maman, la maman Niki, vraiment, tolingi yo, toujours supporter, tu supportes la personne comme ça, c'est comme ça, tu supportes la personne. Tolingi Niki, ça pour ça, ce qui Niki, je suis Niki, tu es Niki, mais tu n'es pas capable de supporter sa fille. Tu es là pour critiquer sa fille, mais au lieu, Congolais. Congolais, Bozana Ndengenini. Je suis Niki. La fille de Niki. Elle ouvre ça, une ligne de vente de vêtements, vente de chaussures. Vous critiquez la fille. Qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais? Moi, maintenant, je suis le tonton. Il faut écrire des commentaires ici. Ce qu'elle a fait de mauvais, il faut écrire. Si tu n'écris pas, tais-toi. Ceux qui ont commis commentaire, tais-toi. Parce que bien que na respecte kabasi na pesa kabasi respect yango na oki jamais kota na ba game wana mais soka sakani na kolakisa e na kolakisa nzela yo kan si kofinga ba soka bani koloba tufi mama na yo ebembe na ose sa kofinga ba finga kaboyi nani muta ko silika na mafinga ya boyi sebe muta fingi yo tufi yo za mwana mobali mama na yo eko sala ni ngana za mama eza mama na ngati ofingi mama na ngai ofingi ngai te me ngana kofinga ne mobimba na yo. Vous comprenez? Alors, bino batuboza ko sa charger na mwana mwasi oyo. Que ça soit des mères, Karine Mokonzi, mwasi bino bolingi mwana mwasi ko manette Karine Mokonzi vraiment. Mwasi ya boy, mwasi une femme dépendante, Karine za dépendante za ko dépendre depuis ya botama azala ka dépendant, azala ko dépendre toujours na batu. Vi na mobimba ba ko dépendre na batu. Bolingi sika ke na oyo azala na vie ndenge wana. Mama mukolo ya bazo ki na ba 40 aza ko dépendre na batu sika mutu oyo mwana muke abimi na ye na ndenge na ye eza mbonga papa na ye te mbonga mama na ye te azwi makambu na ye alingi afungula ligne na ye ya commerce bino bokoti na kati obandi ko tia embouteillage. Est-ce que alobaki bino bosomba biloko ango? Est-ce que bino boza na mbonga ko somba biloko ya 600 euro? Bino batu boza kufinga boza capable ya ko somba sapato ya 600 euro? Boza capable ya kosomba sapato ya 600 euro. Bino batu boza ko. Vous insultez une personne parce que vous n'avez même pas les moyens d'acheter les choses. Chaussures de 600 euros. Toi, tu es capable avant d'insulter. Tu es capable. Chaussures simples, c'est $600.
Donc la fille là-même, elle a de l'argent. Elle est, moi, c'est une fille à féliciter. Une fille à féliciter. 600 euros. 600 euros. Moi, dans moi, si on a bimé ici, à côté qu'elle est quoi, 600 euros. Congolais à Siliki. Jalousie. 600 euros, elle est n'ingissi monde. Moi, dans moi, si on a une aura. La fille ici a de l'aura. Continue comme ça. Les vieux là et des vieux, ils vont t'insulter, mais il faut, tu vas évoluer. Celui qui t'insulte, il a insulté sa fille. Celui qui t'insulte, il a insulté sa maman. Celui qui t'insulte, il a insulté sa vie future. Toi, continue dans ta vie, tu es béni. Moi, je t'ai béni. Kena, il ne peut pas, je t'ai béni. Continue comme ça. Celui qui va s'acharner contre toi, envoie-moi un message. Envoie-moi les messages. Je vais venir sur elle. Toi, tu dois réussir au nom de Jésus. Tu n'es pas comme des petits voyous ici, ils sont venus accompagner les gens au monde. Toi, tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu es venu pour faire ta vie, tu es venu pour réussir. Alors va en avant. Va tes choses, va à l'école, réussis tes études, fais tes commerces. Si tu deviens une femme influente dans la communauté mondiale, communauté européenne, communauté française, communauté congolaise, whatever, just go ahead, do it. Toko supporter, you have our support, 100%. Botika ko ambrier mwana muke azana makambu naye azande kona binote atikala ko lobisa binote azosala makambu naye papa naye pe azotia famille na bango mbutu mbutu mwana zui responsabilité azui de la vaie c'est la fille aînée azui de la vaie à partir là lona ko sala makambu nanga tangu na ko ekofute langa pe classe tangu mususu pe ko sala sanga na sala pe bande kona ngai mais bino bolingi botia e bakale boza modi bolingi botia mwana muke bakale boza modi 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 Bozalou qui s'abat nombre de vies, mais beaucoup me maudit. Maudit. Maudit, maudit, maudit à jamais. Alors, je m'arrête ici à vous dire que les abonnements sont trop importants. C'est gratuit. Ceux qui vont s'abonner, ils sont gratuits. Ils vont partager, ils sont gratuits. Ils vont liker, ils sont gratuits. Ils ont un noko yabana na lobby. En tout cas, à la prochaine.